Putain, les IA, quoi. Putain, j'ai vu sur Threads. T'avais un magasin qui vendait genre 20-30 balles des AI-generated pictures, enfin, des images générées par intelligence artificielle, encadrées. Et ils les vendaient genre 20-30-40 balles, tu vois. Ça me choque pas, on doit bien dépenser 3 euros pour ça, bah ta chaîne de merde. Gueule, toi! Putain, mais étoile! Putain! Le mec, il vient dans mon chat pour être toxique! T'as changé de fou! Bah, va acheter! Ton cadre à 30 balles fait par un mec qui a fait un prompt sur Midjourney. Putain, il y a des gens, il y a des gens sur les réseaux sociaux, ils se décrivent IA artiste. On est où là, IA artiste quoi. Genre ils écrivent des phrases, ils disent Bugs Bunny gros sein dans le style de Van Gogh. IA artiste le fils de pute. Non mais vraiment c'est trop grave hein. Les gens ils se mettent en description sur leurs réseaux sociaux IA artiste en fait. Mais ta gueule en fait, espèce de bouffon. Selon JVC, Prompt Engineer, ça va payer 5K en 2024. Mais en vrai, c'est grave. C'est grave possible. Mais en fait, le truc, c'est les IA, pourquoi pas et tout. Hein. Franchement, en vrai. Les IA, il peut y avoir plein de trucs super à faire avec et tout. Et même, tu peux utiliser. Enfin, je sais pas, ça peut t'aider à visualiser les choses. Et même, là, on parle des IA uniquement visuels. Mais ça peut être utile dans plein d'autres choses. Hein, c'est ça ce que je veux dire. Mais là, pour ce qui est en tout cas des IA qui créent des images. En tous les cas, c'est pas de l'art. L'art est fondamentalement, par essence, c'est humain. Et c'est pas fait par un humain, en fait. C'est inspiré de créations de milliers d'humains. Mais c'est... Y a rien, en fait. Y a aucune émotion, y a aucune intention.